Bonjour tout le monde, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mardi 22 août. Nous sommes à Sarreguemines, le parc du château de la Casque. Absolument magnifique. On en profite pour se balader. Oh! Bonjour messieurs dames. Le mardi après-midi, c'est sorti club. Alors ils ont roulé ce matin, les petits coquinous. On verra qui c'est qu'il y a cet après-midi. Température au sol, les gars, 28 degrés. Nous sommes dans l'été. Ça fait du bien. Il est 13h45 en heure locale. Bon bah les gars, il est 13h59. Bah y'a personne. Allez, direction Bebenkum. Allez, on va aller s'amuser un petit peu dans les montagnes. Au frais. Dans les bosses, que dis-je, les montagnes. Les bosses. On est avec le DR de chez Decat, le vélo de route. Au compteur, 38 km/h. Léger vent arrière. Parti à 40, 41, 42 km/h. Avec des passages autour des 400 watts. C'est le cas par exemple. Maintenant. On est sur des pentes à 6%, cadence autour de 90 tours minute. Il fait bon, il fait frais. On vient de perdre au moins 4 degrés par rapport à la plaine. On n'est pas haut, mais on est à l'abri du soleil. Au cœur, 146, ça se maintient, cadence 90, 8%, oh. On vient de passer en dessous des 30 degrés. Vitesse au sol, 15 km/h, la pente se radoucit. 6%. Bon, la dernière partie, derniers hectomètres, 5%. Cœur 146. Ah, c'est nickel. Altitude 380 mètres. Kilomètre 24, depuis le départ, 280 mètres. Ouais. Sympathique. Vent de face.
retour dans la vallée de la Blisse. Augmentation des températures. Là-haut, on était autour des 27 degrés. Et là, je vois le compteur qui s'envole. Un creux. Commune de Niedergalbach. Bah, on est en France à Auvergne. Niedergalbach. Ah, ça souffle. Du 6%, cette petite bosse. Alors je profite de ce moment tranquille bidou pour saluer, féliciter la frangine et le beau-frère qui était ce matin, mardi 22 août, dans l'ascension du Mont Ventoux. Remarquable. Frangine, elle m'épate, elle bat record sur record, hallucinant, elle a la condition. Et je pense que Jean-Philippe a dû apprécier sa nouvelle cassette, parce que le Mont Ventoux, c'est du 36-28, c'est pas possible, enfin c'est difficile quoi. Alors qu'avec un 36-32, c'est royal. Direction Bergalbach, altitude 260 mètres. Attention, passage en France. Voilà, c'est fait. Alors, on se retrouve dans la montée vers le gaz. Alors, c'est pas du tout la même chose que tout à l'heure à Pepuncum. On était à l'ombre. Là, on est au soleil, au cagnard. On quitte Oberalbach, on y va doucement. Ça c'est du 9% là. Allez, replan. Cœur 150, on maîtrise. Cadence 84. Watt 300. 11%. Le cœur 155, cadence 88, wow, 10%, cadence 95, ah ça va mieux, 150 de cœur, wow. Altitude 360, il reste encore 10 mètres. Là, ça fait du bien, il y a du vent. En face, dernier hectomètre. Allez, on danse.
zone des 400 watts. Altitude 370 mètres. Allez, on redescend. Droit devant, Obergalba. C'est magnifique. Les champs, les gars, les champs. À perte de vue. Kilomètre 34. Des plus depuis le départ, 480 mètres. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. C'est sublime. Température au sol, 32 degrés. C'est beau. Ça donne envie de pas appuyer, profiter. Wow. C'est sublime. Électrique. Alors pour ceux qui se posent la question, je roule en SRAM, SRAM Force. Direction Niedergaillebach, on retourne en Allemagne, on reprend le morceau de piste cyclable et on va aller faire la bosse de Hermes Scapel. Parc, superbe musée, beaucoup de vestiges. On retrouve des vitesses de 40 km/h, cette fois-ci face au vent. Alors en cyclisme, le plus dur, je dirais que c'est, si je devais le classer par ordre décroissant, je dirais d'abord la montagne, les bosses. C'est-à-dire le poids, c'est pas évident. En deux, ce serait la résistance à l'air. À partir de 30 km/h, c'est au carré. Donc ça augmente considérablement. Et en trois, je dirais l'endurance, certainement. Quand tu cumules des 2h, 3h, 4h, 5h de sel en une seule fois. Voilà, je dirais donc tout ça, ça se travaille en fait. La vitesse, ça se travaille, le dénivelé, ça se travaille, et la résistance, l'endurance, ça se travaille également. Voilà. En fait, plus tu roules, bon app les gars, plus tu roules, mais ça va. À partir de 50 piges, t'arrêtes le vélo 3 semaines, t'en as pour. Tu t'es niqué la saison, quoi. Donc, pas évident d'arrêter.
Je sais que les pros, ils arrivent à arrêter, mais bon, ils arrêtent pas vraiment, quoi. Ils font autre chose. Nous, c'est l'erreur que j'ai commise, hein. Je suis arrêté en décembre dernier, j'ai rien fait pendant un mois, j'avais cassé le vélo. Donc du coup, faut pas s'arrêter. Alors faut pas tomber, faut rien se casser. C'est pas moi qui ai été cassé, c'était le vélo. Allez, on continue les gars. On va direction Hermeskapel. Cette bosse, elle est bien. Elle est relativement à l'ombre à cette heure-ci de l'après-midi. Il est 3h30 en heure locale. Le soleil est moins fort aussi. Alors là, on est déjà à 8%. Ouf. Et ça va continuer à grimper. Mais on est à l'ombre. Passage à 10%. Le cœur 148. Ça s'adoucit. Au cœur 140. Cadence 96. On retrouve le vent frais. Ça fait du bien. Au cœur 150. 8%. La première fois que j'ai fait cette montée, j'étais en mini vélo pliante chez Decathlon en acier. Je te dis pas. C'était il y a 4 ans. Il aura fallu poser le pied par terre et marcher. C'était trop dur. Ouais, Didier le trekker, en train de nous démontrer que l'entraînement, ça te permet de faire des progrès gigantesques. Chaque sortie s'améliore. PR sur PR, les vitesses moyennes explosent. Incroyable. Et Didier, bravo, hein. Parce que Didier est diabétique. Comme quoi, tu vois, le sport, c'est aussi dans la tête. Allez, on descend vers la piste cyclable. Thank you.
sur la piste cyclable, direction Folpersviller. Il fait frais là. Température autour de 28 degrés. Sacrée différence. À la forêt, ça change tout. Kilomètre 47 des plus depuis le départ, 601 mètres. C'est pas mal. Le cœur est redescendu autour de 130. Vitesse instantanée, 31 km/h. Tranquillou. Quasi un litre les gars, c'est le tarif, hein. Une heure un litre. Kilomètre 50, il y a 2 litres qui sont partis. Enfin presque 2 litres. C'est bon pour l'entraînement. Là, je vais passer en force. Oh. Ça fait du bien les relances. Ça fait mal. La forêt. Salut Wistiti. Tu reconnais l'endroit, c'est là où on était hier. Paris, la France, la frontière. Ici à droite. Paris là. Flissmengenwolschen, on est à nouveau en Allemagne. Et ouais. C'est de la frontière. Hein. Allez, c'est la dernière bosse. Greifswald.
parti à 5%, 6%. On va gérer de la même façon. On va rester dans la zone du 140-150 au cœur. Alors là, c'est du 7%. ...152 au cœur. Vitesse au sol 15 km/h. Cadence 95 tours minute. Vitesse au sol 14,6 km/h. Pente à 7%. 6%, vitesse au sol 16 km/h, ça commence à faire mal aux cuisses, cœur 151, on maîtrise, ah ça fait du bien, vent de face, oh ça fait du bien, ça rafraîchit. Altitude 350 mètres. Au cœur 147. Droit devant le Mirador. Kilomètre 59. D plus depuis le départ, 800 mètres tout pile. Dernière bosse. Wow. Le Mirador. Oh, il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, ça fait du bien, les gars. Oh, ça fait du bien. Eh, les gars, je vous le disais, je suis une publicité vivante. Pour Decathlon, chaussettes Decathlon, Van Rysel, chaussures Decathlon, Van Rysel, le cuissard Decathlon, le vélo, EDR, mon vélo, le Van Rysel, Decathlon, la sacoche Decathlon, les bidons Decathlon, les gars. Les gars, je suis une publicité pour Decathlon. Voilà, c'est une publicité vivante, les gars, pour Decathlon. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un pouce, à faire plaisir. Je vais en profiter pour te faire deviner qu'est-ce que c'est que cette affaire là droit devant. Je te donne pas d'indice, faut que tu trouves. Si tu as une idée, tu le mets dans les commentaires. Allez, on descend, vallée de la Blisse. Direction Sarreguemines. Et de la vitesse.
site Bischfeyen, Lise-Gersviller, la commune de Gaston. Gaston qui avait eu quelques pépins à vélo en début d'année. Il est toujours en phase de récupération. Tout le club se joint à moi ainsi que son président Jean-Paul pour souhaiter à Gaston un prompt rétablissement. Tu nous manques, Gaston. On pense à toi. Et on salue son fils, Sébastien, qui le soutient sans faille depuis bientôt 4 mois. La sublime vallée de la Blise. Quelle fraîcheur! Ça fait du bien. Vitesse au sol, 37 km/h. Tranquille ou bilou. Kilomètre 70, c'est pas 69, c'est 70 des plus depuis le départ. 846 mètres, wow, c'est pas mal, c'est bien, franchement les gars, franchement pour Kiki c'est pas mal. Température au sol 31 degrés, eh ouais. Kitchen floor, it seems like